Du gâteau. Gâteau. Oh, ouais, cette bagnole en cassis perd bien les chocs. Et un peu. Félicitations, Homer, mission réussie. Retourne à la maison et... Homer, les... C'est l'heure de se cracher. C'est une très très mauvaise journée. Oh ça. C'est comment qu'on s'arrête? Qui a fait ça? C'est la faute de la société. Au secours, je me suis cassé quelque chose. Merci. Moi, ça porte ta pomme. La glacière de Flanders, je l'ai donnée à Barney. Dommage que j'ai plus de souvenirs. Hé, hey, j'ai retrouvé mes nachos. Presque fini. Maintenant, il me faut la photo minable de Flanders avec sa famille minable. Rien n'est éternel. Maintenant les derniers. Où j'ai bien pu mettre l'immonde inhalateur de Ron? Mais oui, sur le capot d'un camion d'œuf. Oh, j'ai oublié ma mission. Maintenant rapporter ce truc avant que la police ne me trouve ici à parler tout seul. Les objets se battent, c'est bien. Oh, mais à quoi tu pensais? C'était comme ça que je suis arrivé. Adios, bande de nuls. Quelle façon d'ignorer la vitesse limite. Flanders, oui, trop génial. Oui, trop génial. Génial, je veux dire génial. Oh merde. J'adore être assis. Fais pas un procès. Ah oui, c'est tiré les barnèches. Hé, Homer. On y va. Du gâteau. Gâteau. Attention. C'est moi qui blague. C'est pas de te sauver. L'erreur est humaine. Je suis une bête de vitesse impitoyable. Monsieur Burns sans les bras peints, ma décapotable. Je viens de la lustrer et de la briquer. Voilà. Commandant, c'est l'heure de se cracher.
dynamique, dynamique. J'ai la zone du bikini qui me taquine. C'est comme si quelqu'un aimait ce genre de choses. Stupide comme un renard. Douleur à la poitrine, douleur à la poitrine. Marge rangera ce foutoir tout à l'heure. C'était si génial, comment j'ai réussi à te casser? C'est comme si quelqu'un aimait ce genre de choses. Je vais, hein? Oh, c'était trop festoche. J'ai besoin... Créateur barbu du célèbre dessin animé dans une prison péruvienne. Les citoyens de notre ville sont consternés de la découverte de caméras de surveillance dans la majorité de nos rues. Nous allons donc à la mairie où le maire Quimby répond aux questions d'une foule enragée. Ces caméras miniatures sont une honte. Espionner les cabines d'essayage, les salles de bain et les vestiaires de nos femmes, c'est impardonnable. Je crois que je parle au nom de tous les habitants de Springfield quand je vous dis où sont les séquences sexy. D'autres nouvelles inexpliquées. De bizarres camions noirs sont apparus dans toute la ville. Marge, ce camion noir nous espionne. Oh, Homer, t'es tellement sexy quand t'es parano. Ouais. On y va! J'ai perdu les commandes! J'ai perdu les commandes! Hey, je suis un pro! Yep! Bien difficile que ça n'a l'air! Mal. Triste journée pour les personnages génériques. Venir me chercher, je te masserai le dos en échange. Alors, monsieur... Je vais gagner! Je vais gagner! Monsieur... Marge Simpson, à votre service! Du gâteau! Gâteau... Quel malpoli! Un bonjour sera terrible. Autant pour moi. Ah, mon cou. Tu m'as presque pincé. Quel malpoli. Oh là, tu me déçois, vraiment. Je ne suis pas très doué. Ah, mes fesses. Quel malpoli. Les vibrations me chatouillent les pieds. La pire ville des États-Unis. Tu m'as presque pincé. Oh non, pas encore un procès contre nous. Doucement, si seulement. J'y suis le roi du monde. Et on... C'est l'heure de se cracher. Reste dans la trajectoire, la trajectoire. Woohoo!
sont des nuls sauf moi. Il me faut le nouveau mot. Moi, ça me va. C'est le moment d'être un fou du volant à la Bart Simpson. Je t'aurai, Bart. Tout comme j'ai eu Charlie au Vietnam. Hélas, non. Hélas, oui. Hélas, non. Hélas, oui. C'est agaçant, cette rapidité d'esprit. Bien joué. Ah, tu joues, boule pure. Trop de la balle. Ouais. C'était mon rôle préféré. Trop tard. Je sors comme une bête. À moi! Comment je vais faire? No problemo! Les enfants ne sont pas conçus pour faire autant d'exercices. Mon père paiera pour tous les ligards. Ah ouais! Eh, t'es prêt? Désolé, Bart. Dégage ou je te dégage. Ah, c'était pas là avant ça. Donne-moi juste une seconde pour reprendre mon souffle. T'as encore, tu es incroyable. Dégagez-la, mec! D'artifice, hein? Ça va te coûter 5 condamnations à vie de travaux d'un... Je me suis battu contre la justice et j'ai gagné! Tu as un tueur! Oh, hey, diable... Ok! Haute puissance d'impulsion! Oh non, allez! Tu ne blâmes personne! Ouh, bien joué! La voiture est maintenant presque neuve. Je fais cette casquette de cou. Votre quête de... Je vais jouer à... Mon nom est Simpson. Bart Simpson. Énergie épuisée, besoin de sucre. Hé, hey, attention! C'est pas moi. Cool! Tout pour Bart! Je m'en veux de m'amuser autant. À moi! Essayez de faire pareil. J'ai fatigué. Oh, tellement fatigué. Wow. Incroyable! Hé, hey, Oli! Oh,
C'était dément. Impact tubulaire. Manger de l'asphalte, mangeur d'asphalte. Oh, c'est pas vrai. Thank you.
m'aider, m'aider. Cyborg Simpson demande transport immédiat. Bienvenue. Voilà ton... Ok. C'est l'heure de l'éclat. Ça craint, hein, Max. Mes jantes m'ont coûté $900. C'était trop cool. Manger de l'asphalte, mangeur d'asphalte. Oups, on est de la retaper. Faut que je trouve. Il est temps de passer à l'action. J'ai renversé mon jus. Vous avez vu le demeuré? Silence! Je dois mettre cette BD sous plastique avant qu'elle ne se détériore et ne soit plus très neuve. Maintenant... Je suis au singe. Milou, on va y arriver. Vous pouvez venir me chercher. J'ai besoin de vitesse, plus de vitesse. C'est encore plus simple que la trigonométrie. Milou? Je ne remettrai pas en question la valeur de cette activité. Attention ! La honte. J'espère qu'ils sont recyclables. Il faut se dépêcher. La dernière fois que j'ai quitté le magasin, les voyous ont mis des photos porno dans les magazines de mariage. Lisa Simpson, au rapport. C'est pas bon pour mon assurance. J'ai besoin de vitesse, plus de vitesse.
Dieu, mais où avez-vous la tête? Mangez ça, si t'avant! J'ai une autre glitch! Hi-ha! Est-ce que c'est une machine dépêchée et méchante? Crétus, le roi de la douleur! Ouh! Jamais-vous, on ne tombe disgrâce! Oh, douce! C'était super cool! Mais Bart a disparu et j'ai aucune idée où le chercher. Vous devriez peut-être de consulter le professeur Fring à l'observatoire. Il a l'air de tout savoir. Sauf pourquoi j'ai suivi nous dans ce patelin paumé. On est arrivé. Professeur... Ouais, j'ai gagné. Grand-père. Waouh! Il faut que je travaille mon endurance. Photo. Coucou, Spring. Il est temps de passer à l'action. Regarde où tu vas! Pardon! La pire ville des États-Unis. Bonjour les ceintures de sécurité! Les enfants de chez moi ne font pas de l'autostop, comme moi. C'est vide! Qu'est-ce qui se passe dans cette ville? Excusez-moi. On va y arriver. Faut qu'il y aille. Première infraction, contrefaire des jeans de haute couture. Le plus ignoble de tous les crimes. Un point pour Wiggum. Attention! Pardon! Deuxième infraction. Renverser une personne âgée sans avoir son permis. Oh oh oh! Vilain! Il me semblait que j'avais un bretzel quelque part là-dedans. Que je sois pas physionomiste. Je me demande si j'aurai une prime à l'arrivée en échange. Ne vous inquiétez pas, je suis un professionnel. Troisième. C'est encore plus simple que la trigonométrie. Vous pouvez m'en... Le chef Wig. Lisa Simpson au rapport. Je suis en mission. Livraison d'un beau poisson dans un joli foyer. Et j'ai une belle vie. Il y a plein de choses à vivre ici. Maintenant, vous ne serez plus jamais frit ni servi avec de la sauce tartare. La prochaine fois, fais attention au filet. Retournez à la vie sauvage. Pourvu que je puisse l'amortir. Liberté! Oui. Mmh.
capitaine Ahab va me dire ce... Oh. Coucou, Springfield. C'est l'heure de faire un tour dans la ville. Faut qu'on m'emmène quelque part, tout de suite. On fait pas d'omelette sans casser des œufs. Oh bon. Je ferai de mon mieux. C'est parti! Thank you.
de paquets de ketchup pour nourrir des gens pendant l'hiver. Aidez-moi à les apporter. Il y a une autre décharge dans le coin. Je le sens avec mon os odorant. Avec ça, je pourrais faire un bon système septique. J'ai peur des conséquences. Du calme, Marge. Du calme. Oh, ça avait l'air cher. Oh, j'espère que j'ai pas payé pour ça. Oh là, dommage que j'ai pas de gros pneus comme j'ai vu à la télé. Arrête ces bêtises. C'est d'accord. Dire que je croyais que je conduisais lentement. Oh, je vais devoir vendre mon limier pour payer ça. Ce qui vient de se passer me concerne pas. Attention à toi! Je pourrais pas faire attention! Maintenant! J'ai gagné? J'en avais aucune idée! Excusez! Je vous déconseille de rester sur mon chemin! Pourvu que cette voiture ne sente pas trop mauvais! C'était un accident! À moins d'être impoli! Oh, je venais de la police! C'est une très très mauvaise journée. Tu ne m'aimeras pas quand je serai en colère. Envoyez la facture à Homer. Je suis désolée. Je te demande... Grand-père. Marge Simpson, à votre service. Chaussures sensibles au métal. Regardez ailleurs, y'a rien à voir ici. Les filles bien terminent rapidement. Et vite! Bien sûr, tu serais surpris de voir à quel point une gamine conduit bien. Je devrais faire plus attention. C'est une agression, c'est une agression. J'espère que c'est recyclable. Oh, qui a mis ça là?
Quoi? Bon sang, pour la dernière fois, parle-moi des cercles dans les blés. J'étais là, entouré de Tojo et de ses hommes de main, quand l'un d'eux, un raton laveur, m'a frappé avec un banjo. J'ai jamais raisonné avec un raton laveur, alors là j'ai... Grand-père, qu'est-ce que ça a à voir avec le cercle? Pas du tout, où j'en étais? Ah oui, la première fois que le je suis monté dans une voiture en fusil. D'accord, d'accord, ça remonte tellement loin que je dois raconter ça en couleur sépia. Si je me souviens, c'était un truc plutôt cosmique, de la forme d'une planète, avec une ancienne antenne à la forme d'une sourde. Une planète avec une antenne? Ça me rappelle quelque chose. Je crois en avoir vu au Quickie Mart. C'est ça, c'était sur une bouteille de cola. Ça va peut-être rafraîchir la mémoire de Bart. Si! Je me suis entraîné sur le skate de Bart. Ça vous ralentit d'avoir... Bart! Je ferai de mon mieux. Je ferai de mon mieux. Je te jure, normalement, je suis plus performant. Plus de bons effets. Laisse-moi reprendre mon souffle.
pris mon précieux collin. La chose qui me donne le courage d'enlever ma chemise dans les vestiaires. Je peux dormir davantage. Et juste entre toi et moi, objet aléatoire. Nettoyage dans l'allée 1. J'ai vendu du... J'ai apporté la gloire au nom de NASA Pima Petiland. Je dois l'admettre, l'air frais, c'est mieux que l'odeur des machines à hot dog. Ce genre d'attitude. M'amener. Ouh, je n'ai jamais vu une telle disgrâce. Voyage dans l'allée 1. Quelle horreur. Des hommes d'affaires légitimes. On dirait que Abu Naza Pimi Petilan affronte la mafia. Salut les... Avec de la chance, mon magasin ne sera pas volé plus de 4 fois pendant ma balade en voiture aujourd'hui. À me regarder de faire, on dirait que c'est facile. Ça ici, ça n'a pas de chance. Les voitures le voter dans une poubelle d'occasion. Viens voir, papa, objet aléatoire. Oh, 300 chevaux de puissance bien commode. Je donne la honte sur vous. Oui, vous. Merci, revenez nous voir. Et où aviez-vous la tête, monsieur Homer? J'ai bien peu. Et nul. Oh, je dois vite arriver. Ou je vais vomir. Si vous m'amenez quelque part, je vous paierai 1 million de billets dans une autre vie. Il faut se dépêcher. La dernière fois que j'ai quitté le magasin, des voyous ont mis des photos porno dans les magazines de mariage. Ouh, j'ai jamais vu une telle disgrâce. C'est pas bon pour mon assurance. Oh, non! Vite, coup.
des chats pour Fauchelet à aimer. Salut. Je dois l'admettre, l'air frais, c'est mieux que l'odeur des machines à hot-dog. Ce genre d'attitude. Faut que j'ai de la place dans mon pantalon pour chat. Vous pouvez m'amener? Heureusement que cette voiture appartient à la ville. Je suis une machine épichée et méchante. Juste entre toi et moi, objet aléatoire. Pêcheur, où les couches de mon mariage arrangé me couvrira. Oh, j'aime ça comme un brahman. File-moi. Avec de la chance, mon magasin ne sera pas volé plus de 4 fois pendant ma balade en voiture aujourd'hui. Chevaux de puissance bien commode. Maintenant que j'ai 8 enfants, je suis moins résistant. Donnez-moi une minute pour reprendre mon souffle. Je peux dormir davantage. Mon cardio est nul. C'est pas bon pour mon assurance. Quelle horreur. Élastique, élastique. Jamais vous, une telle disgrâce. Moi, objet aléatoire.
nettoyage dans l'allée 1. On y est, à destination. Hey, on n'est pas supposé, mon pote. Dude, je suis la victime de la duperie la plus... Monsieur, je... Il faut se dépêcher. La dernière fois que j'ai quitté le magasin, les voyous ont mis des photos porno dans des magazines de mariage. Mais où aviez-vous la tête? Prends ça, Springfield. Oui, destruction gratuite. Essayez, maudit conducteur. Cette ville va me le payer. Mais où aviez-vous la tête? Oh, les nanas adorent quand je fais ça. Destruction gratuite. J'aime ce genre d'attitude. Service à la communauté. La ferme et ramène-nous à la planque. Je veux dire, à la fondation caritative. Fabuleux! À mon regard des fermes, on dirait que c'est facile. On va tous le voter dans une poubelle d'occasion. Donnez-moi. Je suis le meilleur conducteur de toute la Terre. Oh, mais... Mon nom est Simpson. Bart Simpson. Je dois l'admettre. L'air frais, c'est mieux que l'odeur des machines à hold-up. Je aime ce genre d'attitude. Encore. J'ai perdu mon Wookie. Reviens ici. J'ai mis le cricket. Juste entre toi et moi, objet aléatoire. C'est le moment de faire crisser les pneus. Ah, bonne conduite, Dieu. Posternez-vous devant moi. J'ai un peu de... Apu. Otto. Moi, ça me va. Pour la vitesse lumière. Ouh, lâche-le. Mal en fait. Tout pour pas. C'est pas moi. La dalle. Oh, tordu. Wow, j'ai renversé mon pudding. Il va falloir une fortune. À moi. Oups. On se calme. Ouais, c'était vraiment trop cool. Pas de problème. Ouais, trop bien, mec.
commande, service. Je sors comme une bête. Heck. Barney. No problemo. Si je jouais pas autant aux jeux vidéo, je serais en meilleure forme. Transmission automatique. Tout à moi. La pire vie. Chaud devant, chaud devant. Ouh, bien joué. Oh, j'étais pas là avant ça. Ouais. Oh, t'es mort, cette crusty. Ok. C'est trop cool pour l'école. Mon nom est Simpson. Moi ça me va. Ouh, mes ovaires. Thank you.
l'air à Krusty, il me croira. Hé, hey, on est. Principal. No problemo. Attention, danger. Oh, mon crâne, mon superbe crâne. Ça. J'espère que c'était cher. Je t'en ai livré un autre. Un beurre. Maintenant, allons montrer la preuve à Krusty. Et s'il ne croit pas avec ça, je frirai son derrière. Krusty! Ok! Débrouille pas très bien. C'est trop cool pour l'école. Ça sapote ta pomme. Ouais, c'est vraiment trop... Ah, imbécile. Les lasers, c'était juste un début. Mais maintenant, notre cola diabolique se répand dans votre centre d'approvisionnement en eau. Ça va réveiller les morts. Des zombies vont sortir de leur tombe et dévorer les vivants. Et nos taux d'audience vont monter à des niveaux qu'on n'avait jamais vus depuis l'âge d'or de la petite maison dans la prairie. Ah, ça a l'air trop cool. Je veux dire, non, pourvu que leur plan rate. Qui va bien croire ça? Les zombies mangent des cerveaux, on va s'éclater. Cool. Bah. On y va. Prioritaire. Anders, voyons un peu. Il faut des planches pour camoufler les plaies. J'ai trouvé! Tu vois? Viens ici! Ce sont nos planches pour dormir! Oh.
va falloir que j'utilise un port comme oreiller. Mouche. On y va. Génial, oui, trop génial, génial, je veux dire génial. Hé, hey, toi, du gâteau. Gâteau. Attention, j'ai failli renverser ma glace. Dégage de là, toi. Je suis une bête de vitesse impitoyable. Centrale électrique, j'en ai ma claque de ce niveau. Je suis content. C'est l'heure de se cracher. Super beau vaisseau spatial. Maintenant pour sortir du chemin du rayon. En parlant d'amaigrir le nez. Il faut que je trouve. Ouah. On y va. J'ai besoin d'aide, ma bagnole fait un petit sap. Oui, les vibrations me chatouillent les pieds. J'ai peur que fait ça. Wouhou! La faute de la société. Oh, ma tête! Oh, oh, c'est encore cette voiture noire. Ouh, elle est aussi rapide qu'un petit boss qui aurait la ténacité d'un grand boss. J'irai boire un bon coup. Oh, c'était trop festoche. Oh. Du gâteau. Gâteau. J'ai prioritaire. Je suis une bête de vitesse impitoyable. Les vibrations me chatouillent les pieds. Wouhou ! T'aurais dû tourner dans Cannonball Run.
voiture est pas là. Le cendrier était rempli. Waouh. C'est l'heure de se cracher. Façon d'ignorer la vitesse limite. Dégage de mon chemin, sale piéton. Rien n'est éternel. Marcher, ça ne fait pas partie de notre accord. C'est parti. Vous voyez pas que je conduis? Oh, c'était trop fastoche. Je sais pas, c'est bien. Je suis pas un très bon conducteur. Va conduire, pauvre Nas. Va voir si tu fais mieux. Vieux, j'espère que t'as pas éraflé ma voiture. C'est comme ça que je suis arrivé. Douce accélération. Ouais, cette bagnole encaisse super bien les chocs. Mec, ça fait mal. Dans la vista, les nazes. J'ai prié Richter. Non, mais ça va pas. Où est-ce que t'es? Le 4-6-8, t'es nul, je suis super. L'ététététat, à cause de toi, je suis vénère. Féminé. Imagine ça, avoir peur de pauvres déchets nucléaires inoffensifs, tellement inoffensifs. Oh, coupe tes ongles. Cette voyante avait raison. Je meurs vraiment dans un accident de soucoupe volante. Je suis très fière de toi pour nous avoir tous sauvés de cette invasion extraterrestre. C'est vraiment arrivé? Je croyais que c'était un cauchemar après avoir mangé trop de hot dogs crus. Non, mère, tu es le héros de la ville. Super. Et les babysitters ninja, j'ai rêvé ou ça s'est passé? T'as rêvé? Pas, tes fans t'attendent dehors. Hein? Des fans? Ah, ces fans-là. Au moins, notre émission était un succès. Pourquoi on arrive au paradis terrestre quand on est mort? Au moins, on n'est pas obligé de regarder le générique de ce stupide jeu vidéo. Non!